remercions notre Dieu pour le temps qu'il nous donne. Tunamshukuru Mungu wetu kwa wakati ametupa. Il y avait la pluie. Mvula ilinyesha. Il a dégagé le ciel à notre faveur. Nikusema Mungu anatengeneza mbingu juu yetu. Nous avons quelques annonces. Tuko na matangazo kidogo hapa. Nous signalons que le feu papi, il a perdu son papa, son père. Aloja, quand tu arrives au nouveau papi, à l'affiche à papa, et vous le Aloja, depuis ce matin, Tangé, Moussoubouï, le programme nous sera communiqué ultérieurement. Le frère Didier Lumumba demande la prière en faveur de son enfant. Donc Didier, à l'Aloja, va m'envoyer tout à l'heure. Se trouve à Kinshasa, il est malade. Le monsieur Kinshasa est un bon joie. Le frère croit que si vous priez pour son enfant, il se rétablira. Donc on a mis le message en qui m'a totoake, mon totoake à Kapona. Que Dieu vous bénisse. Masema Mungambariki. C'est la requête que nous allons prier après. Et tant que tu t'as oublié à Kisha. J'ai oublié de pouvoir présenter notre frère Jean-Cy et la sœur Sarah depuis mercredi. Je ne l'ai pas fait, je pensais le faire ce vendredi. Les gens qui ont été Jean-Cy, Nadal et Sarah, dimanche ici, ils doivent être bénis. Vous savez, si vous avez un monde, vous avez un monde. S'il y a quelque chose, vous pouvez toutefois parler bien avant. Mais mon souris, vous pouvez être dans ma langue, mais quand vous avez un peu de ma langue, vous avez un peu de je ne sais pas si le frère Jean-Cy est déjà là. Si tu vas m'en Jean-Cy, vous parlez. Et la soeur Sarah. La dame Sarah. Ne sont pas là. Pardon. La soeur est déjà là. Vous allez me signaler parce que je risque d'oublier. Vous allez vous boucher à l'eau, ça vous a. Nous avons été réellement visités par notre Dieu ces quelques jours ici. Dieu a béni réellement son peuple. Le prophète avait prêché une fois un message pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. Parce qu'on peut vous amener à un certain niveau. Quand quelqu'un voit que la situation s'est
ça s'empire, vous voyez qu'il baisse les bras. Wakati mtu anaona kusema mambo fulani aendeke mzuri, unaona ule mtu kusema anafadhaika. Il y a des miracles qui pouvaient s'opérer même du temps de notre prophète après des jours et des jours, des semaines et des semaines. Comme on disait, il y a des gens qui ont été en train de se faire des choses. Le problème, c'est que tu dois simplement croire et être positif. Confesser comme l'aveugle. Il pouvait confesser partout là où il passait. Je suis guéri. Jusqu'à ce qu'un jour, il a vu. Aliona. J'ai parlé le mercredi là sur un petit exemple. Je vais rester à Kazeta, tout Dieu enfant de moi. Avant que je lise la parole de Dieu, je cherchais à mettre comme une base. Mais nous sommes en train de faire un petit exemple. On partageait avec le pasteur Gabi avant qu'il puisse voyager. Tu vois, nous sommes en train de Gabi, mais il est je raisonnais, je pensais aussi le dire aux enfants de Dieu pour voir un peu les tableaux, comment les choses se passent. Le pasteur Gabi qui a prêché le dimanche, presque le dernier là, il a donné une petite exhortation. Les mois ici qui viennent de terminer, il était empoisonné. Il m'a dit que c'était le mois dernier, le mois dernier là, donc l'année passée plutôt. Et moi, c'était un mourant. Donc la tension montait exagérément. Dans cette situation là où il s'est retrouvé, oui, les membres, il a des jours d'avant. Je crois qu'il est resté à la maison. Mais nous sommes allés à la maquette pour nous. Un frère l'a observé, il a senti la compassion. Il dit, on ne peut pas perdre l'homme de Dieu. Il a servi beaucoup le Seigneur. Ce frère-là connaissait le frère Enoch. Parce que le frère Enoch, ils évoluent du côté Lido. C'est là qu'ils connaissent Lubumbashi. Et qu'on a ici, nous les moulins, nous les bâtiments. C'est là qu'il y a l'église, nous les bâtiments. L'église. Le frère Enoch, il est prédicateur et son papa biologique, c'est son pasteur. Alors il est allé, le frère est allé amener la requête dans leur église. Il a présenté ça au pasteur. Et pendant qu'il priait, c'est alors que le frère Enoch pouvait voir quelque chose de la part de Dieu. Et ils sont allés voir le pasteur à la maison. Le pasteur Gabi, il a un don de guérison. Il ne s'est pas guéri. Je voulais que vous puissiez suivre. Une fois, il est allé en Afrique du Sud. Ce sont des témoignages. Il pouvait prier. Les gens, ils marchaient. Et puis, il a prié pour un frère. À cause de ce que Dieu a pu faire, le frère là lui a promis un véhicule. Tu as quitté le monde, le soutenir le ndougou ou le ndougou, le moulin ou le sabatamouzi à Gana. Il a même oublié et le frère un jour l'appelle. Alisabou, le moussabou, ou le ndougou, le moulin à Gana. Il était déjà fait prêt. Gari, le quoi, il s'est fait taillard. C'était un toilette que le frère lui avait offert. C'est mani le gari, le toilette, il est ndougou, le moulin. Donc, lui, avec les dons de guérison, il est au Pognati. Il ne s'est pas guéri. C'est quelqu'un d'autre qui vient. Et même des histoires ici de voir. Dans l'église de Pasteur Gabi, il y en a. Mukani, c'est un chungaji Gabi qui un
hein, quelqu'un venu de quelque part un peu à distance. Le pasteur Gabi, son église se trouve au golfe Malela. Vous voyez un peu la distance là, des gens qui sont du côté Lido. Quand ils sont arrivés à la maison du pasteur, ils commençaient à lui parler comme vous avez vécu ici. Alliance pour nous aussi avant et lui prophétisant. Il dit, il pouvait nous prophétiser même des songes. Parce que nous avons fait d'autres. Il termine sur moi, il prend mon épouse. Et les conduites sont sorties. Et il s'est soumis donc à toutes ces conduites. Or, il dit, je suis aussi difficile de croire les histoires ici des dons. Et que moi aussi j'ai des dons. Quand j'ai vu la manière que Dieu a fait, j'étais convaincu. Ça ne s'est pas arrêté simplement sur sa santé. Même dans son église. Pour lui c'était un peu grave. Il croit à ta. Pour lui c'était des lois. Dans son église, il y avait aussi des sorciers, des banistes, des chrétiens. Ils ont semé des histoires, même à la chaîne. Et quand vous entrez dans l'église des pasteurs, Gabi, c'est carré. Vous pouvez s'imaginer comment est-ce qu'avec tous ces carreaux qu'il y a, ils ont placé toutes ces choses. Quand il arrive à la chair, il quitte la maison étant en bonne santé, avec toute l'énergie. Dès qu'il arrive là, on a placé des histoires, envoyant des messages, il s'affaiblit. Et c'était comme ça. Mais c'est le ministère secondaire qui avait détecté. Ce n'est pas lui qui avait détecté ça. Quelqu'un d'autre. Ils ont fait encore des conduites. Et il a vu les histoires là qu'on a enterrées. Ils ont déterré. Détruit. C'est alors qu'il s'est senti même que vraiment il est guéri, il est rétabli. Et il a commencé à collaborer avec le frère Enoch. Je pouvais lui laisser la chair, celui qui prêchait, parce que dans l'église, a dit Lolo, c'est alors qu'il m'avait appelé. Je voulais t'envoyer un gars ici, un jeune ici. Il va aussi t'aider. Et il me raconte un peu ce qui est arrivé dans sa vie. Pourquoi? Parce que le frère Enoch a eu un poids pour la ville de Corée. Il a dit, je sens un peu que je dois aller à Corée. Je dois aller à Corée, je vais aller chez le pasteur Ben. Donc comprenez, je dessine ça. Montrer un peu les choses. Parce que le mercredi, avant qu'on écoute la prédication, je vous expliquais. Pour aussi chercher comment redresser les émotions. C'est comme dans des sociétés. Chez nous, à la Jekami. À la Jekamine, il y a ce qu'on appelle Jekamine exploitation. Pourquoi il est Jekamine, il y a exploitation. Donc la finalité de la Jekamine, c'est produire les cuivres, le cobalt, les zinc et ainsi de suite. Cobalt, cuivre, cobalt, uranium, la bigine et autres. C'est toute une chaîne. La kini, on a quoi mener nos mains au fond. Il y a une chaîne là de production. Uko mamiene no ya ya fata. J'ai expliqué aux enfants de Dieu pour un peu
éclaircir un peu l'esprit. La Jecamin fait ce qu'on appelle la prospection avec le département de la géologie. En ce temps-là, quand la Jecamin était le poumon économique, il y avait même des hélicoptères appropriés pour les géologues. Où se trouvent les minéraux. Et après la géologie, il y a la mission de sondage. Et il doit perforer, comme vous voyez, les engins ici qui perforent les. Pour avoir l'idée, donc exactement, à telle profondeur, il y a telle qualité de minéraux. Dès que ces gens terminent, il y a maintenant les mines. Les mines à ciel ouvert, mines. Et il y a les mines souterraines. Dès qu'on extrait les minéraux dans la mine, ça va dans ce qu'on appelle concentrateur. Concentrateur. Maintenant, il y a deux volets. Pyrométallurgie et hydrométallurgie. Na hydrométallurgie. Il y a ceux qui connaissent, ou vous écoutez, usine de l'huile. On a qui wanda qui a l'huile. Là, c'est on transforme ces produits-là qu'on a extraits. Vous et vous verrez des tracts maintenant passer avec le cuivre. Ma traque n'a pas ainsi que le cobalt pour amener ça, je ne sais pas. Na cobalt, tu as dans le si tu vas en Afrique, ça sera voilà en Afrique à côté. Et c'est composé. Il y a la garde industrielle, il y a la garde industrielle, c'est dans la société. Dans la société, il y a la garde industrielle. Il n'y a pas quelqu'un qui peut commencer à se dire que bon, les cuivres sortis, c'est moi. Parce qu'au milieu des chaînes, là, si quelqu'un n'était pas là, vous n'arriverez pas à produire les deux. Je ne sais pas si l'église est en train de me suivre. Pourquoi j'ai commencé à vous donner d'abord les tableaux du pasteur Gabi pour montrer qu'avec les dons de guérison, il ne sait pas, il n'a pas imposé, il a bénéficié. Mais comme ça, pour dire que non, toi tu m'as donné. L'église telle qu'elle est ici, il peut y avoir des chômeurs. Mais le corps de Christ, le corps mystique, Christ, ce corps-là qui est le mystique, il n'y a plus de chômeurs. Comme tu es là, tu as quelque chose pour le royaume de Dieu. Donc ne venez pas simplement comme ça pour dire que bon, telle va faire sur moi. Tu dois faire quelque chose pour que le royaume avance. Je ne sais pas si le frère Jean-Baptiste est là. Si tu vois, une fois, donc, parce que avec les ministres et les prédicateurs, je ne sais pas, les gens cherchent la gloire, je ne sais pas. Si tu vois, on se retrouvait toujours à Lubumbashi là. Un couple n'avait pas des enfants. Dieu a fait grâce, il y a eu un état. Les deux homo prédicateurs commençaient à se tirailler la bénédiction là de ce couple. L'autre commence à dire non, c'est ma prière. La grossesse ici, c'est moi qui ai Après tout, nous lisons un peu déjà qui a voix. Ici, Dieu l'a protégé, dit que Dieu bénisse ceux-là qui prient pour les voyageurs. Les gens qui prient pour les voyageurs, ce n'est pas un homme, c'est beaucoup de gens. Mungu wabariki wale wote wenye kuombea wasafiri. Ule umeombea wasafiri.
choses. Parce que les prières des voyageurs ils sont nombreux. Dans notre église, nous avons connu un cas où les anciens peuvent se souvenir. Un couple n'avait pas des enfants. Les ministres, les prédicateurs, les pasteurs ont prié, défilé de prières, défilé de prières. Mais quand l'enfant est venu, on a attribué un homme de Dieu quelconque. Mais ce n'était pas comme ça. Les prières étaient ce n'était pas le 21e journée là que Dieu a répondu. Je crois que les lecteurs de la Bible et les messages comprennent. Le même jour que Daniel a essayé, Daniel a dit, Dieu a exaucé. Il envoie l'ange. On l'attrape par le diable. Donc il est tombé dans les filets du diable. Je crois que je suis dans la ligne de la parole. Daniel prie, Daniel a Naoma, Dieu répond. L'homme qui avait la réponse, il tombe dans les filets. Trois semaines après, la réponse a compris. Dieu a risque d'attribuer à quelqu'un que c'est lui, c'est ça. Je cherche seulement à demander aux enfants de Dieu d'être matures. Parce que quand on a des gens matures, les gens vont comprendre les choses de Dieu. Amen. Amen. Tous ces temps, les enfants de Dieu peuvent commencer à prier sur un cas. Un cas. Dieu a déjà rassuré que j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu. Tout est déjà terminé. Vous risquez d'attribuer donc la gloire à quelqu'un d'autre, peut-être ce n'est pas lui. Et minimiser les autres. C'est ce qui va aussi bien. On s'est retrouvé une fois chez le pasteur Albert. Il y avait une manifestation là. Pour le quoi manifestation moi. Alors on mangeait. Avec le pasteur Richard. Na mchungaji Richard. Quand il a terminé, wakati alimaliza, il a dit au pasteur que Dieu vous bénisse. Alors, mchungaji, Mungu anibariki. Alors, il avait dit quelque chose qui est tellement capital. Ça, ça, c'est même kitu kimwa kya mafaa, kya muhimu. Je ne sais pas si c'était son cas, mais il s'est caché. Si tu veux quoi, mambo, il dit, il y avait une maison. Alors, c'est pas, ulikuwa nyumba moja. Vous savez, la nature des enfants. Unajua maombi ali ya watoto. Les enfants ne faisaient que voir la maman quand elle prépare la nourriture. Quand il mange, maman, que Dieu te bénisse. Maman, ça s'arrête là. Le papa observe. Le que Dieu vous bénisse allait seulement chez la maman. Des jours et des jours. Merci pour la merci. Alors, les papas ont compris que ces gens ici n'ont pas compris que c'est moi qui amène l'argent. Je vais les prouver réellement que réellement les chrétiens ont fait ça. Ils ont s'arrêter. Il a bloqué l'argent dans la poche. La maman n'a pas su préparer. Maman, la Chine n'a pas bien moula. C'est alors que quand ils sont allés demander, le roi tout à coup, maman, je voulais te m'accouter. Vous me suivez? Que Dieu vous bénisse. Donc pour les enfants, c'est la maman qui est la patronne. Ni maman, c'est elle qui se démène tout
Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez avec lui. Tenez-vous debout. Nous sommes avec vous. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 1er. Dans ce moment qui a fait sur la sourate comme ça. Le verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Aux saints qui sont à Éphèse. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Que Dieu puisse venir de sa parole dans nos cœurs. Vous pouvez vous asseoir. 2 Timothée chapitre 3. Le verset 15, nous commençons par là. Ton ancien stade va combien d'années? Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Tangi abutoyako, unatua mabalu atakatifu. Qui peuvent te rendre sage il à sa vie par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et il a commencé à faire des commentaires là-dessus. J'ai fait un pas en arrière. J'ai retenu la citation qu'on nous a donnée mercredi. Il y a un parce c'est un message qui a été prêché le 30 septembre 56. Le paragraphe 14. C'est une partie qu'on nous avait donnée. Parce qu'on nous a demandé de pouvoir prendre le second moyen de communication. Et nous puissions parler sous l'inspiration. Nous devons quitter les cinq sens et parler comme Simon Pierre. Au paragraphe 14, le prophète dit ceci. Maintenant, quand un homme reçoit l'inspiration et qu'il lit la parole inspirée, les deux inspirations mises ensemble donnent un résultat. La Bible tout entière, c'est écrit sous l'inspiration. Les gens qui ont rédigé la Bible ont écrit dans des années différentes. Ils ne se connaissaient même pas. Mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont écrit d'autres choses qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. C'est pourquoi Paul, quand on peut vous lire ici dans 2 Timothée, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prompt à toute bonne œuvre. Maintenant, ici, dans écouter de soyez inspirés.
mukwe chini ya msukumo wa roho. Il faut que vous soyez inspiré. Unapaswa kuvuviwa. Il dit la parole est déjà inspirée. Neno lishavuviwa na Seigneur. Et ce qui nous faut donc aujourd'hui, kile kinatupaswa leo, c'est que l'inspiration vienne sur nous. Uvuvio ukue juu yetu. Que Dieu descende avec une nouvelle inspiration. Que na uvuviwa sasa. Et souffle sur nous sa puissance. Son amour, apendo yake, lui-même, afin que cela puisse nous inspirer pour nous vivifier. Soudile, et nous nous vis-à-vis de sa parole. Moi je crois que depuis que nous avons reçu des visiteurs, il y a un éveil dans le cœur de croyants. Qui croit cela? Bagnoka wanapendaka kutembea mshuku. Les sorciers aiment travailler la malose wanapendaka
il part en Chine. Ana route en na moshi. Si c'est une femme, kama ni mwanamke, son mari voit les carcasses. Bwana yake anaona tu ni kimwili mwili pa. En réalité la personne n'est pas. Quel ule mtu mwenyewe ana tena. Si l'homme est sorcier, kama bwana ndio la seule fois c'est pas les carcasses. Il anaona kimwili. En réalité l'homme n'est pas. Du coup bwana yake il est déjà parti. Et alisha ruka obolose. Vers le désert du matin. Musa desert. Commence à retourner. Ni kusema aanze sasa. Il commence à retourner. Et balance à courir. Fatigué. Alisha choka. Tu travailles, tu viens de t'opérer. Il est cassé à couloir quand on a trop faim. C'est tendance si vous pouvez les attaquer. Il est au cas où on va se préparer aller la journée. La prière va passer sans entrave. Maombi il t'a fika. Bila qui souhaite. Et comme c'est Branham qui nous donne ses stratégies, nous devons pratiquer ça. Branham, il m'a donné ma foule. Il m'a fait des choses. Réveillez-vous à 2h du matin. C'est le terme la biblique. Il y a beaucoup de assassins dans sa quête. Le jour où ils étaient ivres, ils poussaient comme une bible, comme une lèvre. Si vous allez lever la puissance du Saint-Esprit, les gens commençaient à regarder la montre. Par contre, maintenant, ça condamnait à ma cousa. Ces gens ici, ce sont ivres le matin. Par contre, vous allez lever la montre. Si mon pied intervient, mon impact, il dit ça va se faire. Vous constatez vous-même que c'est encore trop tôt. Il est le matin. Vous n'en avez pas ivres. Ils ne sont pas ivres de l'alcool. C'est la promesse de Joël. Ni Ahabi à Joël. Neve, ça, ça. Nana m'a donné que c'est un moment aussi. Neve, Nana m'a dit que c'est un moment aussi. Où Dieu remplit ses enfants. Allez, vous pouvez dire ça, ça va tout droit. 12 heures. Ça, 12 heures. C'est une heure aussi favorable pour la vie. Ça, il a style pour moi. Ces jours-là, quand il était au roi de Calvaire. Il est sur quoi, quand tu vas calvaire. À 12 heures, je crois, toute la nature. Moussa Sita, Maombi de Yote. Le soleil a eu honte. Tu as dit ce qu'il y a eu. Et il y a eu tout ce qu'il y a eu comme événement. N'a pas le coup à bien de dire le coup. Le soleil ne pouvait pas briller. Tu as aïe, mais ça coûte cher. Il y a aussi 15 heures. Et vous commencez à 15 heures. Voilà les heures que le prophète nous a donné. Ce n'est pas que c'est ça. Mais c'est actuellement. N'a pas prié, ce n'est pas ces heures. Aïe, non, c'est pas donc pour prier. La Bible dit prier dans ces moments. Prier en tout moment. Wombe, qui l'a wakati. Dieu veut nous voir prier en tout moment. Alors je lis maintenant dans notre position en Christ. Paragraphe 21. Notre position en Christ qu'il a prêché le 16 janvier 55. Il répète l'écriture que nous avons lue. Aux fidèles en Jésus-Christ. Maintenant, cette lettre est adressée à ceux-là. Ibaoua, inaileka kubale. Non pas au monde extérieur. Apara kutumia ya inje. Il dit ce n'est pas un sermon. Anasema ina maubiri moya. Ici, Paul ne prêchait pas à ceux qui n'étaient pas sauvés. Paulo kana ubiri kubale baliko bayaokolewa. Il ne prêchait pas à ceux qui n'étaient pas sauvés. Apara ubiri kubale bayaokolewa. Il prêchait cela à ceux qui étaient sauvés. Alikuwa ubiri kubale baliko bayaokolewa. À ceux qui étaient appelés à sortir. Regardez, un croyant ne peut pas adorer et
Christ. Kama na nani ya mwili wa Bwana Yesu Kristo. Amen. Parce que le livre des Éphésiens ce n'est pas au nouveau venu. Kitabu kya wa Efeso haina kya bale baminifu kwa sasa. Parce que quand il s'adressait aux saints qui étaient à Éphèse, wakati alikuwa na sasa fidèle à Jésus-Christ, mwa Efeso baminifu kwa Yesu Kristo. Mis à part, il taifa iliwekiwa kupembea. Qui était déjà sorti, il est taifa alikuwa ishatoka. Mis à part sanctifié. Ilishawekwa kupembea ilishatakasika. Il commençait à leur dire comment Dieu les avait déjà sauvés dès avant la fondation du monde. Regardant dans la parole et en disant, j'ai dit
Israël. Et nous avons manqué de découvrir la révélation directe de notre vie. Na tulikosa kufumbula ufunuo wa maisha yetu. Pour pouvoir nous accorder avec ce programme. A tuwa kweza kupatana na ile mpango. Lorsque nous trouvons cela, wakati tunapata ile, alors cela doit s'accomplir. Ile na pasha kutimereka. Et je pense que c'est là que nous avons failli. Na wasa tuwa pale tulianguka. Souvent les gens sortent et voient un évangéliste. Mara batu wanatuka wanamona ule mbashabari nje. Par exemple notre frère Billy Graham. Monsieur Graham essaie de m'imiter.
sans foutiste. Il faut savoir n'a pas dit comment tu s'y tiens là qui a je ne fais pas la concurrence avec qui que ce soit dans la vie. Mais si il y a qui n'a pas de ma morale, on a tout fait là, on a tout fait là. Je n'ai pas des espions pour dire allez d'abord voir là-bas et revenez pour qu'on puisse aussi mettre ce qu'ils ont mis là-bas. Ah, si dans la pérennité, si à ce moment-là, je fais ça et je vois que c'est Dieu qui me convainc de faire. Les enfants de Dieu se retrouvent en imitation. Attends, de l'imitation du Christ. Alors, tu écoutes avec comment naïga mon Christ. Tu te retrouves, tu occupes une place que qui ne te convient. Ou là, tu écoutes un peu pas facile à imposter. Nous devons faire ce que Dieu nous a révélé de faire. On n'a pas ce frère qui le monde ne te fournit à faire. C'est ce que fait frère Graham. Dieu qui le nous grave qu'on a fait. Dieu lui a révélé un réveil mondial. Aussi en fait-il une bonne démonstration. Je l'apprécie. Et j'essaie de mon mieux. Selon la révélation que Dieu m'a donnée, d'aider les malades et de faire ce qu'il m'a dit de faire. Est-ce que vous comprenez au moins la position qu'avait notre prophète? Dans notre prochaine ligne, nous voulons être comme Billy Graham. Si nous voulons être comme Billy Graham, Billy Graham. Du temps de Billy Graham, beaucoup imitaient Billy Graham. Quand tu as Billy Graham, Babing, il va la même manière de se coiffer. Et il avait une manière de porter la Bible. Katika ujumbe ushawishi wa mtu mwingine wa mfeshe de 30 novembre 63 ilubiriwa makumi tatu tarehe makumi tatu mwezi wa 11 na grafu 6 kifungo makumi 76 l'influence ile mvuto wa ushawishi prêcha Los Angeles ilubiriwa mu Los Angeles. Si seulement nous pouvions faire cela dans notre propre ministère. Je m'adresse au ministre. Aux hommes d'affaires. Et aux adolescents. Il dit, ministre. Si seulement nous pouvions faire cela. J'aimerais être un Billy Graham. Je regrette de ne pas avoir l'instruction. Mina osunika kwa sababu sikufunga sana. Et le savoir faire. Na ile kujua kufanya mambo. Pour mettre les choses ensemble comme Billy Graham ana. Tu kupanga bintu. Sawa vile Billy Graham yuko na ile uwezo. Lakini je ne peux pas être Billy Graham. Mimi siwezi kuwa Billy Graham. Dans chaque église locale,
ndani ya kila kanisa ya Baali. Le message de la Bible dit ceci. Ujumbe na Biblia inasema hivi. Dans chaque église locale, il faut qu'il y ait 9 dons. Mukila kanisa ya Baali kunapasha kuwa zawadi kenda. De l'esprit. Ya roho. Dans chaque église locale, kila kanisa ya Baali, si nous nous appelons plein évangile, kama tunajiita watu wa injili yote, pendant que il y avait des manifestations, des prophéties, quand il y avait des sceptiques, maandamano kulikuwa maunabii, kulikuwa wale wa mashaka, est-ce que vous êtes du plein évangile, oui ou non? Eti uko wa injili yote ama wa injili kipande? On n'est pas là pour dire que non, ça nous on ne croit pas. A tout le monde, tu as poussé. Qui a toi mini? Ce qui était un peu bizarre, c'est qu'il y a d'autres qui ont fui la prédication. Il est que moi qui a offert mon béguin à l'équipe de la mobile. Pourquoi fuir la prédication? Dieu a dit pour qu'il m'y a mobile. Et les 9 dons ici, n'allez pas savoir dire qu'il y a l'eau. C'est que moi je comprends avec mon prophète qu'il est venu à l'eau. Ce n'est pas mauvais d'en avoir. Aina mbaya kuwa nayo. Mais il y a un problème. Lakini kuko mambo sasa. Comment utiliser ces dons? Namna gani kutumikisha ile mazawadi ile? Si il y a pas la sagesse, kama kuna hekima sasa, l'église se divise. Kanisa itajikabula, itajikata, itajikata kata. C'est là où les enfants, beaucoup des enfants ne l'ont pas compris quand vous criez là. Yo pale ni faisant des bruits. Ya Mungu wa mingi akakuelewa pale Mungu analalamika la leo kufanya makelele. Les dons sont tellement c'est bien, c'est ce qu'il a. Ça va venir à vous sourire beaucoup de temps, ça. On vous prophétise, ok. Voilà, vous t'abîmez à vous sourire. Mais ça risque de diviser aussi toute une église. Il n'a pas ça, vous capoulez la carrière, ça y est. Si la sagesse n'est pas exercée. Kama a dit, mais qui chez qui m'a tué? Eh, William Aram, la langue dit. Na William Aram, la langue dit. Tous ces dons. Il m'a ça va venir à te dire. C'est le don de sagesse qui est au top. On en a besoin. Nous avons travaillé cette église, on est jaloux de cette église. Nous avons travaillé cette église. On ne peut pas tolérer n'importe quoi pour se faire par complaisance. Non, nous savons, papa a mis City. Papa a mis City d'or. Papa a mis son alala. La nuit, tu vas faire quoi? Vous si vous êtes à faire la nuit. Venez ici comme ça, on se voit bien. Kuya kumbele. Avancez un peu. Tournez un peu le caméra, il faut le filmer. Parce que les vidéos ici partent partout. On n'a pas ça pour moi. Kamara. Et on a pas sur Facebook. Il m'a vidéo, il connaît la côté. On a une sur Facebook. Il est 17h-18h. Maintenant, la nuit, vous allez dormir quoi. Il n'a pas ça couille en milieu. Vous avez payé ça. Maman est bouchée pour ta lala ou ta question. Donc, les 9 dons, comme je suis en train de dire, c'est capital dans une église. Il n'y a pas de ça, mais nous, on a fait ça. Il n'y a pas de ça, mais nous, on a fait ça. Il n'y a pas
commencé à fuir. Hakuna mambo ya kwanza kukimbia. Vous fuyez parce qu'on va vous prophétiser. Vous voulez qu'il vienne, tu vas te couper. Non, je serai avec toi comme j'ai été avec toi. Quand tu m'as dit, il t'a quoi pour monter dans la roue, il savait dire quoi pour monter dans Moussa. Quoi? Dans les corps de Christ, dans les anciens, c'est pour l'église locale. Il dit, tu as qu'à dire ça par là. Les corps de Christ a cinq ministères. Les cinq ministères, il y a le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, le docteur, le prophète, comme les cinq doigts. Ça veut dire l'état. Et le prophète dit, le pasteur est spécial. L'évangéliste est spécial. L'évangéliste est spécial. Le docteur est spécial. Le malim est spécial. Le prophète est spécial. La Bible est spécial. Tous les ministères sont spéciaux. Mais vous savez, qui l'a vous mis pour la péché? Amen. Et spécial, quand on dit spécial, il y a qui péché. C'est comme j'ai l'habitude de dire pour moi. Vous savez, le binam n'a rien à dire. Il n'y a pas une image ou une photo ici moindre. Pour d'autres, il y a. Non, ça, ce n'est pas. Pour moi, il y a une image. C'est sacré. Celui-ci, Branham avait dans sa maison. Oui, Branham, il picha Branham avait dans sa maison. William, alors Branham était dans sa maison. Je vais refuser de mettre chez moi pour lui. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le prêcher le 11 septembre 60. À partir du paragraphe 127. Si je peux m'attarder un peu, jusqu'à 132, 133. Parce qu'il parle de notre position. Quand il a commencé à enseigner l'adoption, à un certain moment, il a mis le parallélisme. Les livres de Josué est comparable à celui des Éphésiens. Donc la manière que Paul a commencé à parler aux Éphésiens, chacun occupe sa place. Qui la montre et qu'elle pas facile. Le même Saint-Esprit a ouvert Josué. Comme t'as dit, faut aller mourir. Pour donner à chaque patriarche sa place. Tu as Kaboul à qui la Palestine. Fâche à qui Palestine. Sous l'inspiration. J'ai dit à Moussoukou Moaro. Josué n'était pas avec les mères abrégées. Je suis à quoi la valeur de maman qui a oublié. Au moment où il s'est mis, il a couché. Il est en train de parler de maman. Ils arrivent dans la terre promise. Ils devaient distribuer chacun sa portion. Est-ce que l'église est ici? Chacun avait sa portion. Qui la voit? Pas dans un temps où nous devons t'attourner. L'âge dans lequel
lequel nous sommes, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un âge où nous devons présumer. Oui, quizás qui a choisi. Dans tout ce que nous essayons de faire, il faut que Dieu nous aide. Mubiote, Dieu nous révèle à quoi faire. Mungu a tout ça aidé. J'ai oublié, je parlais à un frère ou quelqu'un qui voulait se marier. Mais quand on se commence à dire comment on a peine à quoi, il faut prier. On n'a pas chaque fois. Pour ne pas commencer à aller, vous coincez ici, vous ratez. Vous allez ici, vous allez quoi, on a la bien dès que vous repoussez à refuser. A bien dès que vous allez charmer les mots. Vous allez charmer les mots. Parlez pour un qui mouille. Pasteur, Minaon. Nina, Eve. Vous êtes dans Eve, on a ton toka. Una onda o biru a onda una cosa o show de quoi show banana ça c'est être charnel il est beau à tout le problème de mariage prier que Dieu vous révèle mambo ya ndoa quand tu t'engages quand tu y avances tu tapes donc c'est juste juste on a tué comme on a tué la dame ni où les gars d'abac à yeye Dinan ni fulan, unen da mwen lo ami e vich pende ou. Binou nan mwen. O ta ishe ba dan na fote ou. Kom le Saint-Esprit la di mekri. Sa mwen lo mwen takati farise masikou ya tato. Se difisil d'apele Jésus-Christ Seigneur kom sa chanmeleman. Li de ou an de di sou l'inspiration. Li de koum koum ita yes mwa. Sa to a eti di revelasyon ki Jésus-Christ est Seigneur. Ou na pas chakou sema tiri an vufi ou kou sema. Yesu Christo. Se de mwayen par excellence de komunika vek notre Dieu. Li di a yayoulou. Ya kou sou mou. Dek ke Dieu vous revel. Na wakati mou mwa ya kou fi se ou li. E mamo le jen. Che importe ke le jen mont ili de sa. Ba jen de sa jen revele. Ou la jen sou nou li ya. Les gens clochés des deux côtés, quand je me mets dans telle église, quand tu vas à Yumba Yumba, qu'est-ce que tu as dit? Oui, je suis en train de faire un peu de pasteur, ou l'on est en train de faire. Mais il y a d'autres, vous allez dire n'importe quoi pour les détacher. Vous direz que non, moi je reste. Si tu veux partir, bah! Comment on est en train de faire? Vous avez mis à bien que tu as lakini yeye anamwambia ah mie mpaka hapa kama wewe unapenda kwenda mwende wako amen mais quand quelqu'un il est dans chaîne il suit ses pas le mouvement wakati mtu yuko pale huwa kimwile unafuata kikundi imita hizi imita nikusema hebu naika huko na hebu naika huko paragraph 127 kifungo 127 il parle de Josué hebu nazungumza nous allons appliquer avec Dieu a Joshua dans tout taouin kapale, Roku takatifu. Il devait diviser le pays. Yen pasha kapula ile inchi. Il y avait 12 tribus entre lesquelles il devait les répartir. Ah, ulikuwa makabila kumi na mbili. Wile makabila kumi na mbili alipasha kapula sasa. Maintenant, sasa, quand serait-il? Ah, ingelikuwa aje? S'il devait faire des choix. Kama yen yo alipasha kuanza kuchagua sasa. Et avoir des petits chouchous. Quand serait-il? Ça s'habite à quoi, Jésus? Si il préférait la tribu de Gad, comment est à celle d'Ephraïm? Il est Kabila, Yagad, Kuliko, Yaphraïm. La tribu de Joseph à celle de Juda. Mais vous savez, à la peine de la Kabila, Yahusuf, Kuliko, Yahuda. Mais il n'a pas fait de cette manière. La qui n'y est pas. Josué l'a reparti d'après la parole révélée par l'esprit. Joshua a les kabula pour faire dans les nénos. Il faut lui à quoi que pour pitié à mort. Il l'a reparti d'après les tribus. A les kabula pour faire dans les macabila comme il a mis. Et remarquez,
alishinda par sa foi en Jésus, kupitia imani yake ndani ya Yesu. Jésus a dit, Yesu alisema, ton nom est Simon. Jina lako ni Simon. Je vais t'appeler Pierre. Lakini nitakuita Petro. Ce qui signifie un rocher. Ile inamaanisha mwamba. Cela vous change. Ile inakubadilisha. Votre nom a quelque chose à voir avec cela. Jina lako liko na mambo juu ya maisha yako. Et avec votre placement dans la vie. Na pale ile fasi matakuweka kwa maisha yako. Aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'un Josué aujourd'hui qui est tout à la place.
car élevé des moutons comme Ephraïm. Ana penda kufuka bangombe e ama bakonge no sabe Ephraïm. Ephraïm c'est Ephraïm. Ephraïm ou Ephraïm. Car il est car. Car na ye gard. Les problèmes pas hier. Mambo para cha. Les problèmes aujourd'hui. Mambo le message de William Manombra. Dani ujumbe ya William Manombra na. Car il est car. Gard anabaki ya gard. Ephraïm il est Ephraïm anabaki ya Ephraïm. Chose comme l'autre. Moi, la kufunga manyama, ça mwingine. Chaque homme veut être pareil à l'autre. Kila mtu anapenda fanane na mwenzake. Il y a même guerre et des chocs. Na kuna kwa vita. Because un docteur ne peut pas obliger à tout le monde d'enseigner comme lui. Mwalimu hawezi kulazimisha kila mtu afundishe neno la Mungu. Kwa kwa mwa vulete pa ya nomu deji. Kama ufundishe sa mile mini kusema au na mtumishi wa Mungu. On se comprend. Hapa tunaelewana. Un très beau type d'aujourd'hui. Mfano mzuri sana wa leo. Ce que nous avons besoin d'un Josué aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que quand nous sommes entrés dans notre terre promise, God veut élever des moutons comme Ephraïm. Que Dieu donne un don de guérison. Mungu tu amupe mutu moya zawadi ya uponyaji. Tout le monde veut un don de guérison. Pale kila mtu sasa atapenda kwenda zawadi ya uponyaji. C'est moi qui parle. Ni mimi ndio nasema. Amen. C'est moi qui parle. Mimi ndio nasema hapa. Ne dormez pas, ne faites pas semblant. Eh, usilale, usisule. Que Dieu donne un don de guérison. Mungu ampe tu mtu mmoja zawadi ya uponyaji. Tout le monde veut un don de guérison. Kila mtu atapenda kwenda zawadi ya kuponya. C'est pourquoi j'ai commencé avec le pasteur Gabi. Ndiko maana nilianza na mchungaji Gabi. Il a un don de guérison. Yeye kuna zawadi ya uponyaji. L'intervention est venue d'ailleurs. Ni kusema lakini msaada ulitoka ni kwingine. C'est son témoignage propre. Ni ushuhuda wake. Quand Dieu veut venir, il amène quelqu'un de l'Amérique. Comment tu n'appelles pas? Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. C'est la chose est déclenchée. Kumari qui attaque chaque mot. Nous avons déjà prié. Na mambo ame. Il n'a pas d'agir. Nous avons déjà. Il t'a pas tout déjà compris. Amen. La chose ici se réalise avec tel don. Iki kitu kinafanyika ama kinatimizika na zawadi fulani. La chose, telle chose se réalise avec tel don. Iki kitu kinafanyika kupitia zawadi fulani. Et dans le monde ministériel, na katika ile dunia ya utumishi, beaucoup de gens qui collaborent, ils travaillent comme ça. Bantu ba mingi bale banatumika pamoja, banatumika pa kafiri. Tu peux appeler ton ami Kenano. Oui, on s'est conseillé pour papa fulani. Rafiki yako. Je t'avais. Il vient et il travaille
travaille, il termine, il part. Alors, il contribue à la construction. Et vous savez, on a l'état de Tchapouaké pour manger. Et donc, ni bwana wa muntu, et donc, ni prédicateur wa mkanisa fulani. J'annonce le même chose que vous voyez. Et donc, ni prédicateur ou église fulani. Et vous voyez, pas de mkanisa Samuel, la Ose. Et on est de soumettre pour ordre mkanisa. Puis moi, mourir. Et la mourir. Nous sommes vouloukés, nous sommes tchangani. Néanmoins, lui, il connaît la parole. Il a parlé, il a joué à l'élo. Mais faites aussi un effort pour vivre la parole. Vous faites un mouvement, vous avez joué à l'élo. J'étais où? Il dit, Ephraim et Gaï, et tous les autres, faites se mélanger tous et devenir un. Barabenda bajit change bote bakwe tu kimoya. Mais nous sommes divisés dans notre position. Lakini tunachana umusimamo wetu. Tous n'ont pas les dons de sagesse. Si bote aduna na zawadi ya hekima. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Ni mtu anaweza kusema amina. Fabriqué à toute pièce, c'est William Romana. Aïda de Akou, Djiundi, à William Romana. Ou Bantou, non, malgré tout. Il vient de l'année, ça me chaque fois. Et pour la tête, il ne fait que taper à côté. Ça vous dit, il y a une yote, il faut me mener, il faut me mener. Mon manœuvre d'or, sagesse, il faut d'or. Il faut yulu, il y a ma soie de yote. Parce que une parole de sagesse peut guérir une blessure. Neno ya hekima inaweza kutusa kilonda kya moyo. Et quand on n'a pas la sagesse, on ne sera pas guidé. Na wakati wa hekima hautaweza kuongoza watu. Salomo, premier des choses à soulever. Je donne moi la sagesse. Tout ce qui a commencé à m'aimer, Mungu nipe hekima. Je ne saurais pas conduire ton père. Si tu avais sa propose ta ifaya, pas si pour Ekima. Vous connaissez parmi les expériences qu'il a fait. Katika tiama. La reine de Seba observait tout ça. Malikia wa Seba, la kona ona ile yote, la kona tasa ma yote. Une maman, une jeune maman vient de faire tuer son bébé. Mwanamke, mwanamke anatoka kuua mtoto wake. Je ne sais pas si elle était ivre, elle était si tu n'es allé saliver. Elle a dormi mal, elle a écrasé son bébé. Elle se réveille, elle regarde l'autre était en train de ronfler, elle prend le bébé elle ouvre le bébé elle se coue un peu. Qui s'en a monté qu'est-ce qu'il y a
Il dit, anasema, nous sommes divisés dans notre position. Tunachana msimamo wetu. Tous n'ont pas de don de sagesse. Bote abana na zawadi ya hekima. Écoutez, église. Sikie kanisa. J'aimerais que ça entre bien. Napenda ikie mzuri. Que je fais seulement un trait d'union de ce qui va encore arriver. Niko naunganisha na vile vitakuya. Il dit, anasema, tous ne prophétisent pas. Bote abana kiba na tabiri. C'est la parole, c'est le message. Certains qui parlent en langue, nous voulons faire en sorte que tous parlent en langue. Si tu n'as pas ça, tous ne sont pas prophètes. Mais Dieu a placé dans l'église. Certains qui prophétisent, certains qui parlent en langue, nous voulons faire en sorte que tous parlent en langue. Voyez-vous comment il y a de la confusion? Je suis en train de parler notre position en Christ. C'est quoi le semestre à Dieu à m'obéir? Maximum où est-on dans le Christ? Ama fasciaco dans le Christ. Paragraphe 38. Qui dans le message? Dieu tient sa parole. Moutou mais mungu anatimise. Prêcher le 7 avril 57. Dare ça va. Moensi ou un ine ou un papa. Paragraphe 38. Ça va. Qui fungo ma copita tout namanani. Je vais commencer à le descendre. Et dans ça, niko na shuka. Écoutez ceci. Mais c'est qui est-il? Le premier de tous les dons, il est à quoi ça? Mazawadi yote, c'est la sagesse ni ekima. Le deuxième, zawadi apili, c'est la connaissance ni ujuzi. Si vous n'avez pas de sagesse, kama auna na ekima, comment allez-vous savoir ce qu'il faut faire de la connaissance? Namuna gani utajua kya kufanya na ile ujuzi? Recherchez d'abord les choses les meilleures. La sagesse est kima. Et si vous n'avez pas la sagesse, que pouvez-vous faire de la connaissance? Ça se voit dans le monde. Parler à l'âme de ces autres choses. Il faut la sagesse. Il n'a pas sa kima. Il faut la sagesse de Dieu. Il n'a pas sa kima. Je reprends. Na Rodelia. Écoutez ceci. Msikiei. Le premier de tous les noms. Zawadi ya kwanza. Kuma zawadi yote. C'est
C'est la sagesse. Ni ekima. Dites amen. C'est ma mina. Amen. Amen, ce n'est pas une insulte. Amina. Aina matusi. Le deuxième, ça va dire plus. C'est la connaissance. Ni ujuzi. Et si vous n'avez pas de sagesse, na kama una ekima, comment allez-vous savoir ce qu'il faut faire de la connaissance? Namna gani utajua kia kufanya na ile ujuzi? Recherchez d'abord les choses les meilleures. Tafuta vile vitu vya vizuri sana. La sagesse, ekima. Et si vous n'avez pas la sagesse, na kama una ekima, que pouvez-vous faire de la connaissance? Utafanya nini na ile ujuzi? Parler à l'âme. Wala na ile ujuzi. Ou de ces autres choses. Wala na vile vitu vyote vingine. Il faut la sagesse. Il n'a pas choix. Il faut la sagesse de Dieu. Il n'a pas choix. Ekima ya Salomo a dit, sous le mal et à l'essema, appelez-la votre mère. Ouite ekima. Dieu parle. C'est vrai. Elle n'y peut pas. Amen. Mama yetu ni sagesse. Amen. Allons dans Proverbe. Tuende katika kitabu kia Mezali. Beaucoup de proverbes, c'est Salomo qui a écrit. Mezali ya mingi ni Sulemani. Proverbe 14. Mezali kumi na ile. Verset 1. Mustari wa kwanza. La femme qui prophétise bâtit sa maison. Mwanamke mwenye kutabiri anajenga nyumba yake. Ndio wanajenga. Ndio wanasema. La femme sage, mwanamke wa hekima bâtit sa maison. Anajenga ukweli wake. Et la femme insensée, na mwanamke pumbafu, la renverse de ses propres mains. Ni kusema anaangusha anaua nyumba yake. Elle même va détruire sa maison. Yeye moya ataua nyumba yake. Hapana na mikono ya mtu mwingine, mikono yake yeye mono yake. Amen. Eh, una mavision. Biblia panonaka yashirataki. Mena pumona nyumba. On n'a pas besoin de détruire une maison. Hatuna lazima ya kuua nyumba, kuharibu, kuvunja nyumba. Proverbe 10, Mezali 10, verset 8, mstari wa 8. Celui qui est sage de cœur, ule mwenye kuwa wa hekima wa moyo, reçoit les préceptes, anapokea ikanuni. Mais celui qui est insensé de lèvres, lakini ule mwenye kuwa mjinga kwa kinywa chake, à sa perte. Ni kusema yeye eko natembea juu ya upotevu wake. Ce n'est pas moi. Aina mie. La Bible. Ni Biblia. Celui qui est sage du cœur. Ule mwenye kuwa wa hekima wa moyo. Reçoit les préceptes. Anapokea kanuni ile. Mais celui qui est insensé de lèvres. Mjinga kwa midomo yake. À sa perte. Ni kusema anatembea. Le uharibifu wake. Donc vous donne les deux choses. Wakati wanakupa hivi vitu. Choisissez. Chakula kimoja. La dernière écriture, Proverbe 10, Mezali 10, 21. Mustafa makumi mbili na moja. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Ni kusema milomo ya ule mwenye haki inaongoza watu wengi. Et les insensés meurent par défaut de raison. Ni kusema na wapumbafu wanakufa juu ya kukosa hekima. Confirmer ce qu'il a dit, le premier des dons parmi les neuf dons, c'est la sagesse. Dieu a quoi qui kisha qu'il a laissé pas katika. Et zawadi a quoi, c'est même zawadi yote, ni ekima. Je restaurerai. Maubini ni tarodisha. Du 9 mars 57. Kenda, moi je m'attends à ma comité en assa. Paragraphe 15. Qui fungo kumilata. Je restaurerai. Ni tarodisha. Brescia Phoenix. Il est au bureau au Phoenix. 9 mars 57. Kenda, moi je m'attends à ma comité. Paragraphe 15. Qui fungo kumilata. Maintenant. Sasa. Dans l'église pentecôtiste d'aujourd'hui, kanisa ya kipentekoste ya leo, en comparant les deux et ce qui est arrivé, na kulinganisha vile viwili na vile vilifika, maintenant si vous remarquez l'ordre des dons, sasa ukitambua ile utaratibu namna gani panapanga mazawadi, le premier c'est le don de la sagesse. Zawadi ya kwanza ni zawadi ya hekima. Il dit merci. Anasema asante. Le premier, ça va dire quoi? C'est le don de la sagesse.
Vous bouchez les oreilles. Munaza kufunga hayo. Muizibue. Nous vivons l'âge de perfection. Si tu n'as pas ce qui est au cabinet, nous ne voulons pas tâtonner. A ton père, ils avaient le Okona, Sita Sita, présumé, papa, ça, Kukisi, à ma croisée. Le choix est clair. Au Tchakou, c'est quoi? On vous balance 9 dents. Tu n'as pas combien de temps, mais ça va niquer. Choisissez. Tchakoula. Mais le prophète de l'âge dit les meilleurs. N'a pas qu'il s'est passé, mais il est à Moussouli, ça. Nous devons choisir les meilleurs. N'a pas ce que Tchakoula, il est à Moussouli, ça. Mais dans chaque même, on choisit ce que nous pensons être les meilleurs. La Kimba Kimouil ici, tu n'as pas là, il est tout dans le monde, il y a un sourire. Tous les dons sont bons. Mais ça va dire qu'il y a un sourire. Les premières, c'est les dons de la sagesse. Il y a quoi ça, les envois, il y a un Kima. Merci. À santé. Le premier, il y a quoi ça? C'est les dons de la sagesse. Les envois, il y a un Kima. C'est les meilleurs de tous les dons. Dieu, ça va dire un sourire, vous quittez à ma savoir dire autre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tout le monde, on a ça, vous savez, amen. Si nous n'avons pas la sagesse, nous ne saurons comment utiliser la connaissance. C'est le deuxième don. Et si nous ne pouvons pas utiliser le deuxième don sans la sagesse, nous devons utiliser le dernier don. Et puis là, qui va ça? Sagesse, tu n'as pas ça dans l'équipe. Oh, 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 oh. What?
Utenda kusindika kule. Justice bila nikalaka na yata kuya tu mersa. Sasa kuna mambo kwa justice anafunga bila. Anaweka kule. Sele. Ba banafunga kanisa mbele. Bila mia frere mwe bila sasa kama hii mambo na kabwa bwa yako hii tutakukandala. Tenda ku justice kule tosa tu yuwe ile mambo. Na kinwa hii. Déjà par l'autre n'importe quoi tu parles c'est comme un perroquet. Bantu na sema kanya sa vile kasuku. Il faut qu'on chante, il avait une inspiration, il dit il faut qu'on aille quoi là. La puissance de la destruction. Mwezo ya kwa la bisha. Quelqu'un a peiné pour construire sa maison si c'est dans 10 ans. Mtu aliteseka juu kujenga nyumba yake mtu wa miaka 10. Quand on veut détruire ça c'est en 5 minutes, ça c'est cool. Wanapenda kupomona ile nyumba ni muda dakika 5 yote inaanguka chini. On a le langage là qui dit l'expérience mal en message. N'est-ce pas? Bonjour, quand on peut dire que l'homme là il est sage, c'est beaucoup de erreurs, beaucoup de déceptions. Mais il est éveillé. Dieu parle ça à la Kalamuka. Achète un angoulin. A autant de gens qui ont fait chez moi, pas qu'à pas il faut chez Kalamuka. On est un Kalamuka, pas qu'à pas il faut chez moi. Il faut les soupoquer. Misha kuyua mpa yaka viraja yaka ataka kwa kulimoga uka pie foku lekeshi wawa na retrograde kumbele na kontrole mfuma pie na pita kwa elefuashi kata kubemba kwa lika viraja amen keche kubenisi mbuna kubareki jive termine. Na penda kumaliza. Je parle comme le pasteur de l'église. Niko nasema sasa vile mchungaji wa kanisa. Si nous n'avons pas la sagesse, kama tuna na hekima, nous ne saurons comment utiliser la connaissance. Hatutajua namna gani kutumikisha ile ujuzi. C'est le deuxième don. Ni zawadi ya pili. Si nous ne pouvons pas utiliser le deuxième don sans la sagesse, kama tuwezi kutumikisha zawadi ya pili. Comment on peut utiliser le premier don? Kama tutatumikisha zawadi ya pili. Le deuxième don, pardon, c'est interprétation. Ile kutafsiri. Nous l'avons notre zèle a consumé notre sagesse. Excès. Notre zèle a consumé notre sagesse. Notre zèle, notre dénomination et notre enthousiasme ont consumé la sagesse. L'amour fraternel. Ma pento e a kidogo. Tenez-vous debout, nous terminons. Msimame mwima, tunamaliza. Je crois que nous sommes appelés à reconnaître notre position en Christ. Na mele tunaitwa kutambua msimamo wetu fasi yetu ndani ya Kristo. Chaque place bien appropriée. Kila mmoja ana nafasi yake. Dans le corps mystique. Ndani ya mwili ule usioonekana wa Kristo. Termine avec l'épître aux Éphésiens incomparable au livre de Josué. L'épître aux Éphésiens incomparable au livre de Josué. Il est baroua pour Éphèse où il a fallu dans laquelle il t'a le 15 mai 60. T'arrêtes comme il n'a pas mauvais yeux. Paragraphe 6. Que vous vous c'est par ici que je termine. Avant Dieu, t'avaliser. Enseignez la Bible. Kufundisha Biblia généralement c'est un peu délicat. Comment ça inakala kama mzuri? Délicat. Inakala kama mafaa. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant. Kufundisha Biblia inakala kama mzuri. Iko sawa vile uko na chezea pafashi ya kutereza, ya kutereza. Comme on l'a dit, ça vile pana semaka. Mais nous pensons que tunawaza ya kwamba peut-être labda au point où nous en sommes na kiwango hiki tuko et à l'heure qu'il est na mwisa iko il serait peut-être bon d'amener un peu l'église à ce que je considère.
Seigneur. Parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais, la guine, je crois que parfois, enseigner les enfants de Dieu pour qu'ils se positionnent, ça va loin que ça. Vous pouvez juste dire à mon Dieu, tu es un particulièrement pour l'église. Or, généralement, quoi, la prédication attrape les pécheurs. L'enseignement place l'homme dans sa position. C'est qu'il est, qu'il est écho. Et il nous sera impossible d'avoir la foi qu'il faut afin de savoir ce que nous sommes côté position. Mais la situation qu'il est tout est comme un ciment incliné en tête. Tout le monde. Les moyens secondaires. C'est la révélation, l'inspiration. C'est avec laquelle on peut communiquer avec notre Dieu. J'ai lu aussi longtemps qu'on n'est pas en Christ. C'est difficile même d'adorer.